Bonjour, je suis Quentin Durand-Moreau, professeur adjoint de médecine du travail à l'Université de l'Alberta au Canada. Et avec Gérard Lasparque, professeur de médecine et santé au travail à l'Université Paris-Créteil, nous avons coordonné un ouvrage collectif qui porte sur les questions des liens entre santé au travail et management. Cet ouvrage, il s'articule en deux parties bien distinctes. La première, elle porte en fait sur l'exploration de ce lien entre méthode de management et impact sur la santé au travail. Alors, bien sûr, ce n'est pas un traité exhaustif sur cette question, mais plutôt un ouvrage qui va vous décrire des expériences de terrain, des recherches qui ont été menées sur des entreprises par un panel d'expertes et d'experts sur le sujet, mais qui vont permettre de vous donner une vision concrète et illustrée de certaines problématiques qui interviennent dans les méthodes de management, dans des dispositifs de management, dans des outils qui sont utilisés et qui, d'une certaine manière, peuvent avoir un impact sur la santé au travail. Alors, concrètement, ça peut être l'exploration des problématiques liées à la nature même des dispositifs de gestion. Ça peut également être un concept un peu plus technique comme celui de la subsidiarité que deux ergonomes développent dans cet ouvrage, qui consiste à discuter du niveau décisionnel pour prendre des décisions dans une entreprise. Est-ce que l'on confie ces décisions à un niveau de hiérarchie important ou à un niveau de hiérarchie plus faible? Et enfin, on a une contribution qui va également porter sur la notion des objectifs chiffrés et leur impact en matière de santé au travail dans une entreprise. Et donc là, à travers cette première partie, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ce constat que l'on entend parfois sur le terrain de le management, c'est un problème pour l'entreprise, débarrassons-nous des managers et ça ira bien mieux. Et bien là, ces différentes contributions vont vous montrer toute la complexité de cette question et notamment le fait qu'il ne s'agit absolument pas d'un problème de quantité de managers sur le terrain, mais plutôt de la qualité du travail de management et de son impact pour les travailleuses et les travailleurs dans les entreprises. La deuxième partie de cet ouvrage, en fait, va plutôt s'intéresser à traiter de la nature du dialogue qui s'engage ou pas entre les différents acteurs de la prévention dans les entreprises, à savoir bien évidemment les managers, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, ce sont les premiers concernés, et enfin les professionnels de ces questions-là, que sont les professionnels des services de santé au travail, qu'ils soient d'ailleurs inter-entreprises ou des services d'entreprise. Et donc là, encore une fois, on va essayer de dépasser une espèce de discours un peu convenu qui consisterait à dire la communication entre ces acteurs ne va pas bien, asseyons-nous tous autour d'une table et ça va bien aller. En fait, la nature même de ces acteurs, les différents enjeux qui se posent dans ces questions-là, les différentes finalités des actions de ces experts-là, eh bien, vont pas forcément s'aligner les unes aux autres. Et dans la deuxième partie de cet ouvrage, on va essayer de vous donner des explications pour vous faire toucher du doigt la complexité de ce dialogue-là et le fait qu'il y a nécessairement des choses qui sont dites, mais aussi des choses qui ne peuvent pas être dites, et qui vont complexifier la nature de ces échanges-là, ce qui va influencer bien sûr la prévention sur le terrain. Donc, on va avoir des contributions qui vont évoquer le rôle notamment des cadres dirigeants dans une entreprise, comment ils peuvent se saisir de ces questions-là pour les salariés, mais aussi le point de vue du médecin du travail, comment il peut dialoguer ou pas avec les employeurs et les salariés aussi, et jusqu'à quel point faire des recommandations sur les questions de management peut être vu ou non comme de l'ingérence. Enfin, l'ouvrage s'achève sur une contribution coordonnée par la professeure Sandrine Caroli, qui est ergonome, sur spécifiquement le rôle des dirigeants dans les questions de santé au travail, spécifiquement dans les petites et moyennes entreprises. Et donc, cet ouvrage, au total, va pouvoir intéresser tous les acteurs intéressés de la santé au travail, que vous soyez des académiques, bien sûr, sur ce sujet, spécialistes, experts des sciences du travail, d'ergonomie, de psychologie du travail, de sociologie du travail, de management, de gestion, de santé au travail au sens large, mais également, et ça nous tient particulièrement à cœur, les praticiennes et praticiens qui sont sur le terrain, qui sont dans les entreprises et qui vont se saisir quotidiennement de ces questions-là. Et c'est pour ça que ces contributions-là sont toutes ancrées sur du terrain, sur du réel, sur des interventions qui sont des interventions concrètes dans des entreprises
qui vont vous donner en fait des exemples pratiques et qui illustrent la nature de ces problèmes. Donc cet ouvrage va donc intéresser toutes celles et ceux qui sont passionnés de ces questions-là, que vous soyez praticien, chercheur ou professionnel des ressources humaines, ou salariés, représentants des salariés, syndicalistes. On espère que cet ouvrage va vous plaire, que vous allez y trouver matière à réfléchir et à approfondir votre réflexion sur ce sujet-là. Merci beaucoup.